Notre petit œuf. Qu'est-ce qu'on avait dit, Lucas, la dernière fois? On sépare les tines au cas où, pour éviter l'accident. Salut Lucas, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cocktail avec du whisky, le whisky sour. On a besoin de bourbon, de citron, de sucre, d'angostura et d'une petite surprise, mais on verra ça plus tard. Le whisky sour, c'est un cocktail qui a été créé milieu du 19e et à la base, les sour, c'était sucre, citron et un spiritueux, là, le whisky. Et c'est seulement 50 ans plus tard qu'on a rajouté le blanc d'œuf pour la recette qu'on connaît aujourd'hui du whisky sour. Nous, on va faire celle-ci, évidemment. Donc, c'est un cocktail qui se fait au shaker avec une petite coupette. On va rafraîchir notre verre, remplir notre shaker de glaçons. Ouais, les glaçons, on les retirera après. Hein. C'est juste pour que le verre soit bien frais. Et on va directement commencer. Un petit centilitre de sirop de sucre. 2 centilitres de citron jaune. Et 4 centilitres de bourbon. J'ai pris le Bolit que j'aime bien. Je trouve que c'est bien pour le whisky sour, le Bolit. Tac, voilà. Notre petit œuf. Qu'est-ce qu'on avait dit, Lucas, la dernière fois? On sépare les tines au cas où, pour éviter l'accident. Toujours pas d'accident. Je suis extrêmement surpris. Donc, on a mis notre blanc d'œuf. On va pouvoir shaker une première fois avec des glaçons. Il queen, il est frais. Ok. Et là, on va filtrer une première fois pour shaker sans glaçon, pour bien émulsionner le blanc de l'œuf. C'est comme ça qu'on aura une belle mousse sur le dessus de notre cocktail. Voilà, c'est reparti pour shaker une dizaine de secondes max. Mais il faut y aller fort quand même. J'aime bien. Petit tips pour avoir une belle mousse bien compacte. Je vous conseille de vraiment rapprocher le plus possible votre shaker du verre. Si on va trop l'aérer, en fait, il va y avoir de l'air dans notre mousse. Et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, au plus près du verre, comme ceci. Et voilà notre whisky sour. Je vous avais dit l'angostura. C'est ici. Et on va pas se faire un petit trait, on va changer, on va se faire des petits points. Comme ça. Comme ça. Et avec le dos de notre cuillère à mélange, on va juste venir faire ça. Hop. Et c'est très mignon, c'est très sympa. On apprécie. Et voilà, notre whisky sour. Allons-y. Écoute, très sympa. Très frais. Le verre est frais. Le contenant est frais. Sucre, citron, spiritueux, on sait que ça marche. Tu rajoutes le blanc d'œuf pour rajouter un petit peu de rondeur. C'est très sympa. C'est un cocktail qu'on peut faire vraiment facilement à la maison. Tu m'avais parlé d'une surprise, j'imagine que c'est le New York Sour. Ouais. Donc le New York Sour, c'est ce qu'on vient de faire. C'est un whisky sour. Et à la fin, on va rajouter 2 petits centilitres de vin rouge. Comme ça,
Et là, on le voit s'assombrir, s'obscurcir. Ouais, donc ça va faire un petit côté violet qui va descendre dans le verre. C'est très joli également. On goûte, parce que du coup, ce n'est plus le même cocktail.